Information, inspiration, motivation, conscientisation et surtout, distraction. Gardez tête ou votre pot pourri avec Flore. Votre Flore sur la WKAT 1360 AM tous les samedis, 6h, 7h. Gardez tête ou la radio pour réfléchir. Show is brought to you by Jeff Hess, attorney at law. 305-255-2797. Ça, c'est avocat Pam. Jeff Hess, spécialisé dans accident machine. Ou glisser ou tomber dans la rue, dans maquette, avocat bourré les couignets là, c'est Jeff Hess. 305-255-2797. Jeff también habla espagnol. 305-255-2797. Casas et Jeff, ma pralri les couilles là, 305-255-2797. Tout le monde connaît Tico Zé qui dit la vie a ses deux joies à vivre, reste là c'est la mort. Mais combien d'entre nous qui fait préparation pour les jours arrivés? Ah, nous faisons dans la bouche, nous t'arrêtons, mais si nous t'arrêtons ça, bon, on ne parle pas sérieux. Relé 305-754-54-54-954-485-1234. Pax Villa qui s'est premier par le roi Finet haïtien dans la diaspora et qui est reconnu par tout haïtien en dedans qu'on dehors, qui a aidé à faire arrangement pour vous, ou sinon pour parents qui vivent Haïti ou à l'étranger. Pax Villa fait transport cadavre Haïti, États-Unis, États-Unis, Haïti, ou payer. Ici, de faire un terme en Haïti. Bon, nous-mêmes qui vivons dans la Floride, la même, visiter une bureau Pax Villa, ou êtes capable de commencer à payer Timon n'est pas moi, jusqu'à ce qu'on finisse payer avant Badjéo. Qui donc, les jours arrivés, tête frais Pax Villa à gérer. Dans Pax Villa, c'est un latrier professionnel licencié qui a utilisé produits de grande qualité pour préparer, embaumer tout cadavre sans distinction. Il est 305-754-54-54-954-485-1234. Pax Villa, Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, Orlando, Osnon qui a visité. Sur internet dans www.paxvilla.com. Comme ça, au dernier jour, on va recevoir service de première classe. Welcome to Pax Villa USA Funeral Home. Where we got you covered. Eh bien, c'est Radio TV avec Dr. Flore. C'est un nouveau mois, le mois de juin. Eh bien, nous déjà. À la mi de l'année là, et eh bien salut, bonsoir. Eh bien, Radio TV, c'est une production de Gade Tetou. Gade Tetou qui sait exactement philosophie ça que nous avons partagé avant depuis 7 ans. Eh bien, Gade Tetou d'abord qui c'est émission radio hein, qui prend une autre dimension depuis 7 ans. Et nous fait radio à télévision combinée. Gade Tetou, c'est pas Dili. Gade Tetou, c'est une introspection. Gade Tetou, c'est une évaluation constante, une évaluation continue de côtoyer, et côté où vous voulez aller. Ou joigni l'an 18 étapes dans la vie ou, eh bien c'est pour prendre patience les livres l'an sorti et ou capable déguster. Alors une l'an étape inspiration non pour au même jeudi hein, c'est que et c'est l'identité. OK, le premier chapitre ou joindre l'an palais de Gade Tetou c'est identité. Côté identité sorti, c'est l'an enfance. Et quel que soit ça où il est dans la vie, il est connecté à l'enfance, il est connecté à berceau. Eh bien, si ou jusqu'à présent, l'envie, le moment que vous avez gardé dans la, le moment que vous avez tendu dans la, ou gagné yon issu l'enfance ou qu'on pas jamais résoudre, soit son petit deuil, soit son petit tendance, soit son petit mariage légitime, soit son petit grimaud, grimel, soit c'est papa qui est le vaut, soit c'est grand-mère qui est le vaut, soit c'est ma tante qui est le vaut, et que quel que soit la fondation ça, la fondation du berceau, et que ou toujours des problèmes pour accepter fondation ça, eh bien la refléter sous quel que soit politicien koyen, sous quel que soit femme d'affaires koyen, sous quel que soit soyen jusqu'à ce qu'on mourit. Parce que l'enfance
c'est la base, l'enfance, c'est pour ça qui permet que ou travaille sur l'identité. Leur garder le monde, leur garder Haïti, leur garder groupe ethnique, depuis que problème identité hein, pas résoudre, eh bien, il y a problème dans le jazz là, à tout niveau. À tout niveau. Alors, ça, c'est longtemps que nous reprochons que nous n'avons pas d'inspiration, mais pas de banal tout le temps. Parce que les émissions ont gagné un toucher spécial, eh bien, il fait qu'on désire garder le plus. À côté de l'inspiration, nous connaissons que moi, c'est une femme d'affaires, un consultant. Consultation moins spécifique, moi, aider ou même cap garder, cap tender brand. Eh bien, de brand là, moins confortable à donner parce que nous faisons radio à télévision pour. Inspirer, motiver, conscientiser et détendre. Parce que si pas gagner 4 charbons du feu, ça y est, li pas original, eh bien, c'est pas garder tête ou regarder ni quoi attendre. Pour faire business avec nous, 786 521 73 21. Eh bien, sans nous pas perdre du temps, Chris, we gonna go with our first guest. Eh bien, on a fait un tour d'horizon avec Brahod, qui s'est porté nous là déjà depuis trois mois, et avec Democratic Club. Là. Eh bien, avec leadership, Madame Guitel, que nous avons salué, pour lui faire bilan mois de mai pour nous, pour lui parler nous de l'état santé et réchelle Democratic Club of Brahod. Madame Guitel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Dr. Flor, et merci. C'est vraiment un plaisir pour m'avoir nous, pour m'en nous un petit aperçu sur ce que Broward a fait, particulièrement dans l'environnement politique. Là. So, vraiment, m'apprécier l'opportunité pour me parler avec tout auditeur de Gade Teto. Et puis, c'est un vrai plaisir pour moi. Mois de mai, c'était mois de l'héritage haïtien. Qui Jean Broward lui-même t'a célébré? Ah, ma chère, c'est pour me dire que Broward vraiment célébré Haitian American Heritage Month. Regardez son série de bagages que ni municipalité ni county, vraiment, ils n'ont pas trop reconnu, particulièrement parce que ce n'est pas un issue qui était vraiment intéressé. Ou bien, si tu es intéressé, il n'y a pas de compte qui chante le thème manifesté. C'est pour me dire que si tu as vraiment fait un travail vraiment, vraiment merveilleux, il a été mené Emeline Michel pour un concert, il a été fait une grosse réception pour plus de 300 monde. Il y a un auditorium qui avait plus de 800 monde qui était presque plein. Il y en a un autre côté que moi, vraiment, j'étais fier de lui, c'est North Lauderdale. Pour la première fois, nous gagnons un commissioner, Samson Beaujolais, qui est commissioner de North Lauderdale. Regardez, son communauté qui vraiment est en pile haïtien. Et pour la première fois dans l'histoire de cité North Lauderdale, il a été célébré Haitian American Heritage Month. Il reconnaît beaucoup de leaders, particulièrement, ou bien, on sait que je monte pour Claude Louis Saint, ou bien Patrick Chabouin, qui est dans la communauté a très, très, très longtemps, qui a battu avec la communauté haïtienne là, pour vraiment make sure que you engage. Et c'était vraiment, très, je me sentais c'est un privilège pour moi tout, parce que je te reconnais, moi. Ou bien, il y a une librairie, Broward County, qui a fait plusieurs activités. So, là, regardez, Haitian American Heritage Month, c'est une bagaille que Broward County a pile dans la cité. Ou bien Tamara, bien que vraiment pas qu'il y ait participé dans Tamara, il reconnaît. Donc, nous avons 32 cités et année samedi pour nous jouer en pile dans la cité, il a célébré. Alors, c'était vraiment un mois qui était très, très, très occupé pour nous. Particulièrement lors du mois de mai, c'était un mois que l'issue haïtienne était très chaud. Nous avons eu un issue TPS là,
nous pas connaître ça qui va arriver, compatriotes, nous sommes nous-mêmes, Haitian American Democratic Club, nous sommes très involved. Nous allons dans plusieurs cités, nous commissionnons, de toute façon, résolution que vous voulez l'aide par le président Donald Trump que vous extendez TPS aux Haïtiens. So, pendant que nous avons célébré Haitian Heritage Month, en pile municipalité ça yo reconnaît et puis yo fait proclamation alors en même temps tout nous ta bataille pour frère nous yo seul nous yo que nous pas contre so yo c'est que yo pas extend TPS là alors peut-être un petit plus tard nous ta parler de TPS. So Haitian American Heritage Month nous t'ai célébré en pile dans Broward County et nous gain opportunité pour nous continuer visiter notre cité pour yon ça fait de même. C'était vraiment plaisir pour moi ouais ça parce que pas des moun qui comprennent sa culture haïtienne là et nous penser que célébration ça c'est une pour c'est une façon que nous ça fait toute communauté connaît que Haïti son culture qui est très 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 riche et nous vraiment fiers. L'on a célébré le mois de mai comme Haitian American Heritage Month. C'est pour moi ben, un gros bravo à State Senate Daphne Campbell, qui est à la ASI, et qui vraiment fait un push pour que pour Haitian Heritage Month puisse reconnaître nationalement, qui veut dire que nous voyons l'aide, Washington, Senate l'a passé, House, Representative, you passé Haitian Heritage Month et c'était tout un plaisir pour moi pour me détaler assis, pour me parler avec both House Representatives and State Senators pour nous dire que culture nous riche, nous très fiers pour nous partager avec toute communauté hein, et vraiment. Yo t'ai passé tout côté ça, yo t'ai passé proclamation, bill qui montait. Alors, nous t'a souhaité très bientôt, nous t'a, ouais, alors, par contre, soit l'administration, ça, mais nous t'a souhaité que très bientôt pour y reconnaître nationalement. Eh bien, on va suivre un bilan de mois qui sont passés, hein, et ça, son courtoisie, Haitian Democratic Club of Broward. Eh bien, ça nous a essayé fait avec Radio TV, production de Gadi Tetou, c'est fait des initiatives différentes. Et c'est comme ça nous pensons que nous avons inspiré, motivé, et où est la conscientisation, hein, sous prendre note, où est que, et là, on a parlé de Haitian Heritage Month. Eh bien, Madame Guitel font rapport pour montrer que il y a 32 villes dans Broward et li bo spécifiquement li sorti avec nous Miramar, li passé notre Lauderdale, li rivé Tamarack, li montrer que célébration héritage culturel haïtien, c'est comme si c'est pour un bagage qu'a fait seulement le mois de mai, mais ça veut dire que li prend vienne là et puis ensuite la continuer à travers toute l'année parce que célébration est faite dans librairie, célébration est faite à travers protéger et faire haïtien connaître une l'autre pi plus représentation leadership yo, li parler tout de connexion avec Tallahassee. Kounyela et madame Guitel n'a font réflexion sur TPS là et li, tout le monde connaît que nous joignons pour 6 mois et comment leadership Broward là a réagi par rapport à tant que yo bay TPS là. Ma chère, c'est pour moi dire que communauté américaine vraiment yo été touché par ça de haïtiens compatriotes nous yo et c'est pas deux trois monde organisation qui t'ai contacté moi pour yo mandim qui gens que yo t'ai cab aider. Alors m'a commencé par le fait que ou bien cité Lauderhill ou bien Broward County ou bien la majorité des cités vraiment yo t'ai passé en résolution pour yo mander que TPS là yo extendé by haïtien yo malgré tout effort que nous fait. Enfin, par contre, si c'est effort, ou bien si c'est pression, yo extendé pour 6 mois. 6 mois, à vrai dire, c'est pas suffisant. Parce que là, regardez, au grand pile monde, ça, yo, qui, au grand pile monde qui vient TPS, yo, ici, aux États-Unis, au moins 7-8 ans.
7-8 ans qui veut dire pendant ce temps des mariages qui fêtent, des petites qui fêtent. Ce qui veut dire temporary status, supposé continuer juste le que y a une façon pour y venir citizen. Nous te font rally dans Broward County parce que encore te gen plusieurs monde qui étaient intéressés pour connaître qui gens pour y aider. Ou gen Broward Democratic Club là, yo te mette en yo te mette TPS là quand pour une topic pour agenda mois de mai et c'est une façon pour y te faire tout membre yo connaît que c'est en bataille, c'est pas seulement pour haïtiens. C'est une bataille que vraiment c'est pour nous tous partager parce que l'on regarde si vous voyez un maman un papa yo vraiment déporté yo en Haïti ti moun yo fait ici qui ça cap devenu de ti moun sa yo l'on regarde moun sa yo ici légalement en pile nan yo y acheté kay yo déjà en pile nan yo a travail si yo déporté yo parce que yo pas citizen ça cap devenu communauté nou yo ou gran pile kay que si yo déporté moun yo kay yo a enfermé ou gen l'école gran pile parents à cause de yo vraiment peur voyez ti moun yo l'école parce que gen deux fois enfin yo gen la peur que si al chèche ti moun nan l'école bien que ti moun nan américain yo même comme parent yo gen droit prend yo l'école ou bien si gen pour al nan kòt si yo gen rendez-vous yo gen droit prend yo selon gade nous vraiment te faire un total outreach au point de Haitian American Democratic Club là nous te reach out ni communauté panyola ni communauté islam là ni communauté américain blanc américain noir et vraiment yo te prendre avec deux bras ouverts pour yo dire n'a bataille avec ou parce que vraiment c'est un issue qui a vraiment affecté communauté en entière et, alors si moi c'est pas beaucoup. Si moi c'est seulement c'est quand qu'il a dit nous avons intention que c'est une façon pour nous pour un petit gens apaiser nous, yo ba nous extension de 6 mois mais c'est pas ça vraiment que nous besoin. Nous besoin au moins 24 mois, 18 à 24 mois pour nous continuer faire travail nous pour nous montrer mon ça yo qui gens pour yo devenu citizen, nos bonne série de stratégie, nous avons une série d'initiatives comme Haitian American Democratic Club là, n'apprend pour nous aider, mon sa, nous avons une citizenship clinique,